C'est dans un restaurant au premier arrondissement de la commune d'Akanda que la direction générale de Faco Construction est allée célébrer leur certification ISO 9001-2008. Une occasion pour le président directeur général de féliciter ses collaborateurs. Nous célébrons aujourd'hui donc la certification ISO 9001 version 2008 de Faco Construction. C'est avec émotion que je vous parle parce que derrière tout ça, il y a 25 années de travail, 25 années de labeur, dont il y a une construction qui a dû se faire sur un fondement, et ce fondement, ce sont les hommes. Des hommes qui ont voulu m'accompagner tout au long de ces années pour faire de Faco Construction que ce que nous sommes aujourd'hui. Lisez dans la viterie, la menuiserie et ébénisterie. Cette qualification doit permettre à l'entreprise de doubler d'efforts afin de se maintenir à la cour des grands. Parlant de la certification, Faco Construction a été évaluée sur l'ensemble de ses prestations. C'est-à-dire que, comme je le disais dans mon discours, Faco Construction, c'est quatre grands pôles d'activité. Donc il y a la vitrerie miroiterie, il y a l'ébénisterie menuiserie, il y a le second œuvre, donc notamment faux plafond et cloisons légères, et il y a le gros œuvre. Donc c'est tous ces points qui ont été évalués, et au sortir de cette évaluation, nous avons notre certification aujourd'hui qui repose sur l'ensemble de nos prestations. La certification est un élément de sélection des candidatures, par exemple. Et en dehors de cela, il y a ces exigences-là qui font qu'on vous maintient dans un système, dans un dynamisme d'amélioration continue, parce que dans un an, vous avez forcément des audits qui vont revenir. Donc vous êtes appelé à ne pas dormir sur vos lauriers. ISO 9001-2008 est une norme internationale qui établit les exigences dans la gestion de la qualité. Il vise également à accroître la satisfaction des clients. Faco Construction œuvre dans le domaine de la construction avec 120 employés répartis dans les différents pôles d'intervention.